Bonjour à tous, nous voici à nouveau pour parler un petit peu de ces rencontres spéciales auto-soutien qui ont lieu à Saint-Denis, précisément au 55 rue de Strasbourg, tous les troisièmes samedis du mois à 17h. Et vous savez que nous sommes presque samedi, le troisième samedi du mois, nous sommes à quelques jours et nous avons le plaisir de vous transmettre des témoignages de dames, de jeunes femmes qui ont su profiter de ces rencontres. Et cette fois-ci, nous allons être en direct dans cette dernière rencontre auto-soutien du mois de juin avec Paola, qui est notre reporter spécial de ce jour-là, et Madame Hilda. Madame Hilda ne vient pas précisément tous les troisièmes samedis du mois à Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'elle est de Toulouse. Mais ce samedi, elle était là spécialement avec nous, heureuse de pouvoir participer en direct. Et elle va vous raconter sa joie d'être ici avec nous et aussi de participer même à distance de ces rencontres si spéciales. À tout de suite. Bonjour, nous voici à la sixième rencontre du Godlywood Auto-Soutien. Mois après mois, nous avons reçu plusieurs secrets pour développer cet esprit d'excellence. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le sixième secret pour devenir une femme meilleure. Comme vous pouvez le constater, les femmes sont en train d'arriver, certaines sont déjà en train de recevoir un conseil et nous allons voir ce que les femmes qui sont là déjà attendent et espèrent de cette sixième réunion. Bonjour, vous vous prénommez ? Bonjour, je m'appelle Hilda. Madame Hilda, je sais que vous avez déjà participé aux réunions auto-soutien et je voulais savoir, qu'est-ce que ces réunions vous apportent ? Normalement, oui, je participe presque tout le temps et par vidéoconférence. Et aujourd'hui, je suis venue à Paris et j'ai décidé de venir assister en direct. Qu'est-ce que les réunions auto-soutien ont apporté à votre intérieur ? Énormément, surtout au niveau de mon caractère. J'ai beaucoup changé. Et j'ai changé parce que j'ai deux enfants qui ont 18 et 23 ans. Et je parle beaucoup avec mon fils de 23 ans. Il me dit que j'ai énormément changé. Bah justement, vous étiez quel genre de personne avant ? Caractériel, je ne laissais rien passer. Voilà, j'avais toujours le dernier mot. Même par rapport à mon mari, je voulais toujours avoir le dernier mot. Et là, je persévère, je parle de moins en moins, voilà. Et qu'attendez-vous de cette réunion aujourd'hui ? Aujourd'hui, exactement, j'attends d'apprendre un peu plus. Voilà, le direct, ce n'est pas la même chose par vidéoconférence. Je pense que je sortirai d'ici fortifiée. Très bien, Madame Hilda. Donc, à la fin de la réunion, nous reviendrons vers vous pour savoir justement qu'est-ce que cette réunion vous a apporté, d'accord ? Madame Hilda, alors la réunion vient de se terminer, qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ça m'a beaucoup apporté. J'ai appris surtout que je crois que parfois on se préoccupe plus à faire plaisir aux autres et on finit par être désagréable à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me préoccuper plus avec des choses de Dieu qu'à plaire aux autres. Vous serez avec nous à la prochaine réunion auto-soutien ? Je vais essayer, j'espère bien. Je vais essayer. Au moins par vidéoconférence ? Par vidéoconférence, j'y serai, je compte bien. La réunion auto-soutien vient de s'achever. Une fois de plus, nous avons reçu un secret pour devenir une femme excellente. Sur ce, on vous laisse et on vous dit au mois prochain, plus précisément au 16 juillet, pour la prochaine réunion auto-soutien.
Nous voici après le témoignage de Madame Hilda. Vous voyez comme elle a su profiter, même à distance de Toulouse, de cette rencontre spéciale. Nous aurons le plaisir de vous accueillir, vous qui êtes distante par vidéoconférence et vous qui êtes de l'Île-de-France, ici à Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Donc ce samedi, qui arrive là tout de suite, à 17h. Et vous savez que vous avez aussi l'opportunité d'être accueilli localement dans votre centre d'accueil, si vous êtes distante, ou à Saint-Denis, une heure avant notre rencontre, donc à partir de 16h, ou après cette rencontre, où des épouses de pasteurs seront là pour pouvoir vous accueillir spécialement, vous qui serez là pour la première fois dans l'autosoutien, la première fois au centre d'accueil, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour pouvoir vous orienter. C'est pourquoi nous allons continuer à vous diffuser des témoignages de transformation de vie jusqu'à ce samedi 16 juillet. Et vous pourrez constater ô combien vous investir en vous-même, prendre du temps pour vous-même, vaut la peine. C'est pourquoi nous nous disons à demain, ici, sur cet espace.